Ok. On y va, petite run classique. Isaac D6, on y croit, le believe, l'amour. Tout ça, tout ça. Ah, ça fait un petit moment qu'on s'était pas mis sur ce jeu, quoi. Le classique. Le jeu qui était devenu classique en soi. Qui ne l'est plus maintenant. Mais ta mère. T'arrêtes de faire de la merde. Re-MT. What? C'est quoi qui m'a tué? Ah merde, j'ai marché dans le sang. Quel mongol. Oh, la reprise va être compliquée. T'as combien d'heures sur Isaac? Là, je dois en avoir 80. La sangsue qui permet de. Qui fait des dégâts aux ennemis et qui, lorsqu'elle les tue, me rend un demi-cœur. C'est pas nul, mais c'est pas forcément bien. Donc des fois elle est un peu teubée, faut l'aider. Salut Kiko, j'espère que tu vas bien. Mais limite là je peux rien faire. Yeah. La batterie. Cœur bleu, ouais, super. Ouais, mais j'aurais jamais deux salles là. On va tester. Ouais non. Il va manquer une salle. Tomasz. On met direction le boss. Steven! Et vas-y ma petite sangsue, fais-toi plaisir, suce-lui le sang. Oui, vas-y, suce-lui le sang. J'aime bien me prendre des coups. Vraiment, c'est le kiff. C'est que de Namur. Salut Kanax, ça fait 2-3 mois que je me suis coupé les cheveux. Faut que j'y retourne d'ailleurs parce que là je les ai à nouveau un peu plus longs que d'habitude. Rodrigo, Redark, j'espère que vous allez bien. Oh, le clu qui me donne plus de vitesse de tir et des plus grosses larmes. J'espère que tu vas bien, Kanax. Paf. Curse of the Lost, yeah. La malédiction du perdu. Normalement, si je fais bien mon truc, là, ça va bien saucer. C'était une vis. Clou vite. Oh, vous me cassez les couilles. Rebarbie, j'espère que tu es bien. Toujours. Voilà. Oui, il tire beaucoup, lui. Allez, mon petit. Voilà, va y sucer le sang. Oui, bien joué.
Bien joué, c'est ça, c'est celui le sort. Salut Antémonia, j'espère que tu vas bien. Salut, je suis Urturgal. Salut Ethan, j'espère que vous allez bien. Come on, motherfucker. Come on, mofo. Yo, yo, come on, come on. Alors, si je pouvais avoir très vite la salle de jeu, ça m'irait. Mais moi, ça va, Barbie, écoute. Le caca, c'est délicieux. C'est qui déjà qui disait ça? Salut Kenel, j'espère que tu es bien. Je m'en rappelle plus. L'homme qui prend des coups de merde. Oh oui. Putain, mais donnez-moi la salle d'objet. S'il vous plaît. Tout s'est tué en même temps. Je jouerai le jeu plus tard dans la soirée, je ne sais pas, comme d'habitude. Nous verrons. Nous verrons. Non, deux pièces, c'est pas la bec. C'était Emric Ramsey, peut-être. J'en souviens plus du tout. Ma tête fait n'importe quoi. Bah du coup pas de salle d'objets hein. Enfin pas trouvé encore, du coup je vais peut-être tenter le boss. Sachant que je peux peut-être avoir un devil deal du coup Sugoi. Sugoi Sugoi. C'est top, j'espère que tu vas bien. Monstro, en plus c'est moyen, monstro. Oh je vais me respecter un peu quand même. Je vais pas me réclamer une merde ce monstre. Par contre, la sensu, tu pouvais l'attaquer. Genre te rendre utile un peu. Ce serait cool. Voilà, j'ai regardé le chat une demi-seconde, j'ai pris un dégât. La punition! Je vais le prendre parce que j'ai mis le mot Devil Deal, ça va être cool. The Nail. J'aime pas trop. Rotten Baby, je préfère. Alors, The Nail, c'est un objet activable qui me permet, il me semble, de gagner. En échange d'un cœur rouge, de gagner de la puissance, des trucs comme ça, mais j'ai pas du tout envie de jouer ça. Donc j'ai tué le Rotten Baby qui va me permettre de faire pop des petites mouches bleues. Ces mouches bleues étant très pratiques parce qu'elles affichent 1,5 fois mes damages. C'est plutôt chouette. Pitié, explose, explose, explose. Non, 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 merci. Salut, Rezokuzi. Là j'ai ma batterie. Je pense que je vais la prendre. Parce que ça sert à rien que j'espère avoir assez de salle. Je pense que j'en aurai pas assez pour la salle d'objets. La salle d'objets. Qui est juste là d'ailleurs. Donc je l'ai manqué de rien du tout. Allez on se tente. Oh là là, oh là là. J'avais pas envie de jouer Orbital Planet, c'est pas pour un retour, parce que Orbital Planet c'est quand même assez particulier à jouer quand on n'a pas assez de vitesse de tir. Et derrière j'ai Kamikaze qui me permet de me faire exploser. Ce qui est pas intéressant. Je veux pas me faire exploser la gueule. Ça ira, merci. Bon, du coup on va changer d'étage. Quoique. Oh la bougie noire et la grosse batterie. C'est dommage que j'ai pas cette pièce. C'est vraiment dommage. Et là, paf, je change un 25 cents ou un 50 cents. Et là, oh les vieux. Isaac Tears. Alors, Isaac Tears, ça fait paf. Et en fait, chaque fois que je tire une larme, vous voyez que ça remplit le truc. Et puis hop, voilà.
C'est pas top. Salut Dimi, j'espère que tu vas bien. Du coup, j'ai dépensé mes 5 pièces d'un rien. C'est dommage parce que la bougie noire me permet d'éviter tout ce qui est malédiction. Par exemple, là, on a un Curse of the Lost. Et ben, ça n'existerait plus. Je reverrai la minimap, ça aurait été chouette. C'est comme ça. Malheureusement. Donc, on continue à descendre dans le tréfonds de la cave. Nye. Papa, un petit peu, tu pas. Non, pas trop dur, ça va. Assez envisageable. Hop. Ce qui serait plutôt cool. Guppy pourrait être sympa. Vous me direz, Guppy est toujours sympa. Mais un petit Guppy là avec Rotten Baby, ça permettrait de faire un bon combo. Globalement. Ouch. Je vais lui payer cher ça. Ce serait plutôt bien. Je sais plus le nom de l'objet, mais ça me permet de tirer des larmes qui slow. Il semble que ça fait pas de damage up. Relilou. Faut être combien de pièces pour la machine pour être bien? Mais en fait, il te faut mettre 999 pièces pour obtenir les derniers objets en fait. Laissez-moi remettre Platinum Gut. Je vais juste vérifier si ça me fait un damage up. Parce que je ne sais plus. La Ball of Tar. Non, ok. Vous savez ce que j'ai dit? Ouais, ça permet de slow les adversaires. Cependant, ça n'a aucun apport en dégâts. C'est ce que je recherche actuellement. Des dégâts. Donc là vous direz mais pourquoi tu ne le reroll pas? Ben, je ne peux pas tout simplement, donc il va falloir que je clean encore une salle. Paralysis, c'est de la merde. Faire comme si on n'avait rien vu. Donc je vais bientôt je vais clean cette salle. Hop, vous voyez, j'ai mon D6, je vais aller voir ce que je peux reroll. Salut Cantino, j'espère que tu es bien. Allons-y. Allez, j'ai la salle de défi aussi. Allo Flies, c'est pas trop mal, ça me permet d'avoir deux mouches qui tournent autour de moi, deux orbitaux donc. Dommage, j'ai cru à ma chance. Oui, donc je disais deux orbitaux qui peuvent arrêter les projectiles, ce qui est plutôt pas mal, ça peut être bien. Madame là, elle a arrêté une des boules. Pas mal. Dommage que j'ai pas eu de clé, par contre j'ai eu 7 pièces. C'est freaky, j'espère que tu es bien. Faire assez prudent. Si vous pouvez. Attendez, tu veux pas tirer là, s'il te plaît? Non, là, là. Tire là, s'il te plaît. Tire. Tire. Tire, con. Tire, tire. Tant pis. Bah, ça, celui-là a pris un aggro, c'était cuit, cuit, cuit. C'est le Minorax, j'espère que tu es bien. Est-ce qu'on se tente cette salle? Le D5. Le D5. Dice Room Rebirth. Alors, les Dice Room, le 5, ça fait quoi? Laisse-moi vérifier, je me rappelle plus trop. Reroll and restart the current floor. Même effet que Forget Me Now. Donc, c'est cool. On va avoir théoriquement deux étages ici. Donc, on va avoir deux catangomes, une. Ce qui fait qu'on va avoir donc deux fois plus d'objets. Ce qui est bien. Ce qui est très 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 bien. Aïe, j'ai pris. Voilà. Ce qui est bien, 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 bien. Ça m'a touché, sérieux? Je le pense, c'est pas possible. Ok. Et avec la salle de boss, ce sera tout pile pour le D6. C'est parfait. C'est parfait.
The Hollow. Bon, ça c'est trivial, sauf quand je rush dessus, bien entendu. Des bisous. Voilà. Le pentagramme qui me donne des dégâts. Nice. C'est plutôt cool. Et du coup, on va recommencer l'étage. Avant, je vais juste aller faire un petit tour. Oh, je prends un risque en allant ouvrir le... La salle de d'items, mais il peut y avoir un truc bien dedans. D'accord, je n'ai rien. Ah, c'est une pilule. Et c'est laquelle? Inconnue, télépills. Et j'ai la glitch room. Tuteur énergie. Oh. Lockdown. J'ai la glitch room. Tears down, merci beaucoup. The Emperor. Alors l'avantage, c'est que j'ai beau avoir la glitch room, je peux quand même retourner là avec la carte empereur. Et donc baiser tout le jeu. Parce que du coup, j'ai la glitch room. N'est-ce pas? J'ai eu la glitch room. Et en plus, je vais pouvoir refaire une salle. Donc là, clairement, on est bien. Et putain, mais quelle tarde. J'ai pas regardé quand j'ai avancé. Allez, un petit peu de chance là-dessus. Oh, un caca doré, ça peut... C'est pas mal. Avec le penny de contrefaçon qui me permet de temps en temps, une chance sur deux, grosso merdo, d'avoir un deuxième pièce lorsque j'en ramasse une. Et un petit cœur noir pour attraper la connerie que je viens de faire. C'est plutôt sympathique. Cette première et cette run de retour s'annonce plutôt positive. J'ai refailli marcher dans les pics. Donc là, on va faire le D5. Hop, retour dans cette salle. Paf. En plus, j'ai le truc qui proc. Et je vais pouvoir baiser le jeu. D'accord, non. Le jeu m'a dit va te faire foutre. J'ai voulu baiser le jeu et le jeu m'a dit tu peux pas. Le jeu m'a dit tu peux pas. Et moi j'ai dû apprendre à fermer ma gueule. Une batterie. Je pourrais mettre à chanter du Metallica, mais je suis pas sûr que tout le monde saisirait la référence. Coucou Xoa, j'espère que tu vas bien. Redar Sider. Est-ce que... Oh, ah, attendez. Allez, go. On tente un truc. J'y crois. Ok. Le pissage est intégral. La frame de missivité. Ouais. J'ai réussi à sortir sans perdre plus de cœur. C'est déjà mieux que rien. La frime data. Merde. Mongol. Salut Ilex. J'espère que tu vas bien. Les shops, est-ce qu'on y retourne? J'ai que 5 pièces, mais j'ai plus de clés, donc ça craint des boudins. Craint des boudins. Craint des boudins. Voilà, par contre, c'est bête parce que j'aurai le gage de recharge de D6. Heureusement, on sait que j'ai une batterie. Jamais je veux vraiment reroll. C'est plutôt bien. C'est bon. Trouver la salle. Un objet pas trop dégueulasse, histoire que je puisse garder mon reroll, ça me ferait plaise. Le jeu, est-ce que tu m'as entendu? Je t'appelle. Pourquoi tu travailles toujours ce jeu? Parce que c'est un excellent jeu. Vous avez de ces questions des fois? Alors, du coup là j'ai deux Rotten Baby, grosso merdo. Donc j'ai appelé deux fois plus de mouches. Toujours plus de mouches. Un régiment de fromage blanc, blanc, blanc. Déclare la guerre au camembert, ber, ber. Merci Mino pour la chanson, son, son.
hop. Easy, la super secrète. Un cœur éternel parce que je n'ai pas encore assez de cœur rouge. Et la salle de boss. Alors, si jamais je n'ai pas un bon item, pipe. J'ai normalement deux rerolls d'accorder. Ça donne des dégâts supplémentaires. Donc je vais le prendre. Par contre, du coup, j'ai rien reroll. Elfen, je crois. Ce qui fait que c'est cassé. On a deux échoppes. Donc il y en a une, c'est une shop de livres. Salut Cathy, j'espère que tu vas bien. Bonne nuit, Eagle. Merci d'être passé. Repose-toi bien. Donc là, normalement, j'ai une boutique de bouquins, je pense. Ah non. Ansus. Hierophant. Death. Death. En dessous, c'est bien. Ça évitera que je perde des charges de D6. Je rappelle que c'est ma catacombe 1, 2. Et ouais, puisque je rappelle que j'ai eu un sale D5 qui permet de faire comme Forget Me Now, c'est-à-dire recommencer un étage. Ce qui fait que là, en fait, j'ai eu le droit à deux objets supplémentaires. Ce qui est bien. On est bien. C'est le Mongo Baby que j'ai eu. Oui, j'ai eu le Mongo Baby. Tout est bien. Par contre, j'ai pas eu de salle de diable, de pacte avec le diable. Du coup, ça, c'est bête. C'est un peu bête, quoi. Salut Akio, j'espère que tu vas bien. Bon, donc on est bien. Globalement on est bien, on a eu droit à une fin. Voilà. Hop. Par contre, il va falloir que je trouve une clé là. Ah, il y a peut-être une à la shop. Et je l'ai pas acheté comme un mongol. Peut-être une à les shops et je l'ai pas acheté comme un mongol. Ça craint. Oh putain. Les salles de l'amour. Les salles de l'amour. Les salles que tu kiffes, Sama. Les salles que tu kiffes, Sama. N'empêche, ça m'inquiète un peu parce que. Quand j'ai joué à Bloodborne, ma PS4 a vraiment fait un bruit dégueulasse. L'as ? Ça m'inquiète un peu. Alors là, le counterfeit pénis, c'est. Oh, paf, 32 pièces. Ok. Donc là, on est bien. T'as ma croix d'Heroes of the Storm, c'est mon MOBA préféré maintenant. Je préfère largement jouer à Heroes of the Storm que de jouer à LOL. D'ailleurs, on fera bientôt un stream Heroes of the Storm et j'ai des clés à vous faire gagner. J'ai réussi à gratter des clés. J'espère que vous êtes contents. Merde. Un peu trop d'anticipe. Ah non, mais je peux pas en fait. Je suis débile. Une petite clef. S'il vous plaît, une petite clé. Je ne demande que ça, une petite clé. Tu joues à normal ou à hardcore? En fait, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre normal et hard. Mais là, j'ai pas de clé, je suis déçu. Ça me met un peu au fond. En chanson. Non, je vais pas l'utiliser. Salut Seco, j'espère que tu vas bien. Alors donc j'ai réussi à vous dégoûter des clés Heroes of the Storm. Et donc du coup au prochain stream Heroes of the Storm, je vous ferai gagner des clés. J'espère que voilà, ça vous satisfera. Par contre j'aimerais bien avoir une clé le jeu s'il te plaît. Parce que j'ai besoin d'une clé pour aller genre voilà. Putain. Je perds tellement des charges de D6, c'est assez frustrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai encore pas mal de salles. Je pense que ça peut passer. Salut Turpik, j'espère que tu vas bien. Alors Enko, si tu avais écouté, j'ai dit que c'était pour une clé Heroes of the Storm. Mais bien sûr tu m'as pas écouté. Laisse-moi.
Du coup, j'ai gagné deux clés. Avec le Two of Spades, qui double les clés et qui en donne deux si jamais on en a pas. Alors, putain, j'ai plus de... J'ai plus de bombes. C'est dommage, parce que là, j'ai manqué une occasion d'avoir... d'avoir Masqueur Gris. Oui, je sais, pétition, mais j'aimerais d'abord faire un tour à la boutique pour essayer d'acheter un objet. La guillotine, c'est de la merde. Genre, vraiment. Pourquoi je suis passé par là? J'aime bien me faire du mal. Voilà la boutique. Est-ce pas avoir un bon objet qu'on n'ait pas un reroll de plus à faire, quoi? PhD, ça pourrait être pas mal vu que j'ai que des pilules de merde. PhD, ça nous mettrait bien. Ah merde, tu joues plus à bout de bord. Non, ma PS4 a fait des bruits bizarres, du coup je la laisse se reposer pour ce soir. Putain, j'ai presque envie de retourner à la salle de service, mais je sais pas combien de cœurs j'ai. Ça craint. Cranny booting. Si je pouvais acheter des clés aussi, ça me ferait plaisir. Parce que là, c'est... Grid. Ta mère. Putain, j'ai mass income et le mec, il me balance un grid, quoi. Putain, je suis con. Je l'ai esquivé, mais je re-rentre dedans. Le masochisme pur. Et il me donne même pas d'objet. Putain, quel enfoiré. Ah, quand même, BFR Line. Mais bientôt, mais vous inquiétez pas. Vous vous rendez pas compte que je tourne les jeux? Ça se voit, pourtant. Ouais, mais ça va tellement dépendre. En fait, ça va dépendre de ma salle de boss. Ça dépend de mon objet de salle de boss. Merci pour la clé. Pour débloquer, il faut finir le jeu combien de fois? Pour débloquer, ben en fait, faut pour débloquer Blue Baby, il te faut tuer Mom the Heart un certain nombre de fois, c'est-à-dire le boss de l'utérus. Et pour débloquer le D6, il te faut tuer Isaac dans la cathédrale. Donc après avoir battu, je crois, 8 fois Mom's Heart. Avec le Blue Baby. Un petit PhD, ça m'a fait du bien, puisque là... Le cup, ok, j'ai la contre-pilule. La contre-pilule. Plutôt chouette, c'est mieux que rien. De technologie 1 et 2, 1 est largement mieux, ouais. Lockdown, va te faire foutre. Ok. Je vais juste me débarrasser de... cette pilule de merde. Cette pilule de caca. Dark One, qui est pas forcément le meilleur des boss, à vrai dire. C'est encore ça que c'est pas la version mort-vivante. Parce que la version mort-vivante est clairement cancer. Parce que son rayon laser est téléguidé. Merci les bûches. La ceinture Krampus. Allez, Krampus. Je l'avais deviné. Je l'avais lu. Je l'avais lu. C'était marqué. C'était prédestiné. Je l'avais vu dans le futur. Et là, le morceau de charbon qui me permet d'avoir plus de dégâts. Comment dire? Plus ma larme parcourt de terrain, plus elle fait de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors après, est-ce que je prends du speed et que je... Ouais, je vais prendre du speed et je vais tenter de reroll l'autre truc. Parce que la guillotine, c'est vraiment la merde. Au moins, j'aurais peut-être... A plus, Cathy, merci d'être passé. Parce que l'avantage avec la... C'est que là, si jamais j'ai la ceinture et que j'ai un bon objet derrière, j'aurais au moins deux objets dans l'étage, quoi. Salut Yolun, j'espère que tu es bien. Ah, Aries. Il me semble que quand je tire un certain nombre de larmes, je deviens invincible. Ou je sais plus ce que ça fait. Bref.
Au moins, vous voyez, j'ai eu deux objets, même si c'est peut-être pas deux super objets, j'ai eu deux objets. Quoi, Crash? Non, je zéro drop. Tout va bien. Curse of Darkness. Glacier Card Room juste à côté. Oh là là, ça c'est mob horrible. Putain, j'ai pas mal de vie, putain, il faudrait tellement un Devil Deal là. Plutôt qu'un vieux Krampus dégueulasse. Juste je check ce qu'il y a à côté. Parce qu'en soi, en fait, s'il y a une salle de sacrifice, c'est cool que j'ai accès par la salle de secrète. Parce qu'au moins, je dépenserai pas de cœur dedans. On va voir. Dans quelques secondes, le verdict va être donné. Non. Très bien. Dommage. Ça peut être cool. Et j'ai aucun objet de Guppy, quoi. Missing Poster. J'ai totalement oublié ce que ça faisait, Missing Poster. Mourir avec ça dans une salle de sacrifice quand vous permettra de débloquer une pièce du puzzle. Ok, donc c'est profondément de la merde. C'est de la merde. Du coup, je vais aller vérifier. Ah, mais j'ai pas encore vu la salle d'en dessous. Allez. Oh, c'est le shop. Ça, maman, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais claquer une petite bombe ici. Coucou Aruna, j'espère que tu vas bien. Oh merde, pas de cœur noir, dommage. Oh dommage, fromage. Hop. Une batterie. Une batterie con. Et une autre batterie du coup ça me fait. Et là j'ai la gold key pour passer toutes les portes tranquillou. On va prendre ça. On va essayer d'aller voir la super secrète. On va y avoir des trucs. Merde, j'ai pas fait gaffe. Paralysis. C'est dommage parce que je sais que j'ai pu avoir les pilules 24 Hours Energy qui pourraient me faire reroll à plusieurs fois en foutre. Salut Tireur 2, j'espère que tu vas bien. Ça pourrait être intéressant. Salle de boss. Je suis à quel étage? Death 1, donc je peux le faire. Je peux le faire pour essayer d'économiser autant que je peux mes dés, mon dé. Si on peut importe ce que j'ai dans une Devil Deal, là, ce serait intéressant que je le prenne parce que j'ai tellement de cœur rouge que ça en devient débile. Donc on va voir. Double Dark One. Alors que je l'ai affronté un juste avant. D'accord, merci beaucoup. Merci le Gamu. Beaucoup d'amour apparemment. Le Gamu même. Et pas de Devil Deal, putain de merde! Ah! T'as intérêt à me donner un bon item parce que là sinon je vais pas être d'accord. Et sur le... Oui, ça va, c'est plutôt correct. Placenta, je m'en fous. Oh, Placenta ou Magic Scrap dans les deux cas, j'ai pas envie. Tu vas pas me dire que je vais avoir tout claqué pour avoir un objet de merde. Par contre, sinon, je vais pas être d'accord. Regarde la vidéo de Benzaï, tu vas rigoler. C'est sur Bloodborne, on me l'a linké, il me semble, sur Twitter. Putain.
J'aurais eu que des HP up. J'ai eu HP up, range up, HP up, HP up. Merci le Gamu. Je vais rien me filer de bien. Foiré. Putain, j'ai mis de la mauvaise volonté, quoi. Merde. Putain. Ça, c'est pour vraiment de la merde. Oui, c'est les larmes qu'on met en antigravité. Tu me jettes une chanson. Quand j'étais petit garçon, je sais pas la suite de la chanson, en chantant. Enfin, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Après, si on repart comme hier en mode DJ jusqu'à 4h du mat, bon, c'est peut-être un peu abusé. Fishhead, il fait quoi déjà? Ouais, bah, j'ai pas envie de me prendre des dégâts en fait. Je peux rentrer dans la salle. Guppy! Guppy! Hashtag le believe! Là par contre le gros believe parce que on va bientôt arriver à l'utérus et j'ai une pièce. Donc là c'est l'hashtag la moule pour être guppy. Je suis con. Mais non, mais je suis un abruti fini. Faut pas s'assurer à la thune. Pour la vie. Merde. Putain, sa mère. Jeu sans concession. Tu as déjà fait un bon parti en e-sketch? E-sketch, ouais. Bon parti, non. Parce que je sais pas. Des questions? Mr. Mega! Bon, ça me donne 5 bombes et ça permet d'avoir des grosses bombes. Donc, c'est plutôt cool. C'est mieux que rien. Alors, on va juste passer par là parce que ça va plus vite. Ça me j'avais un cœur, oui, voilà, je vais prendre ça aussi au passage, c'est pas de raison. Et je vais arrondir à 360 degrés. D'accord, la machine m'a fait faire ta gueule. Non mais le jeu il me file que de la merde. Il m'a filé une salle des 5, depuis il m'a dit, va te faire foutre. Moi je t'en botte, d'accord. C'est quoi ça déjà? C'est Damage Up je crois. C'est Chemical, ma bite mon cul. Attendez, laisse-moi vérifier. Non, c'est pas Chemical Peel. C'est une bouteille orange. N'empêche, ce qui serait bien sur. Sur Platinum God, c'est que. Bouncing Tears. Ouais, c'est mieux que rien, écoutez. On va prendre Bouncing Tears. Ouh, le rayon laser qui a failli me laser. Oui, donc je disais. Ce qui est dommage sur Platinum God, c'est qu'on peut pas par exemple chercher des objets par ce à quoi ils ressemblent. Genre, par exemple, une bouteille, tu t'as bottle et il te donne des trucs quoi. Ce serait cool qu'ils ajoutent ça, un featurette. Salut Gabriel, j'espère que tu vas bien. Pourquoi il n'y a pas de musique? Mais bien sûr qu'il n'y a pas de musique. Vous savez très bien que quand je joue à Isaac, je mets pas de musique parce que je recorde. Vous dites, vous en avez si peu que ça le son du jeu? Et vous me le dites que maintenant? Putain, ta mère. Abush AMT, merci d'être passé. Putain, je suis déçu de cet étage, j'étais vraiment pas cool.
Et en plus j'ai plus de cœur de protection. Ce qui fait que si je fais mom et que je me chill, devil deal, je l'aurai bien profondément dans le cul, mon frère. Quoi, fun, j'espère que tu vas bien. Un peu loin là. Non, c'est bon. Oh merde, il y a une ruine là-bas. Ça, c'est dommage. Je ne saurais pas quelle est cette ruine. C'est ballot. Bon, mon singe tire, c'est rigolo, ça fout le bordel. Salut Pican Sam, j'espère que tu vas bien. Coucou Princesse Okami, j'espère que tu vas bien. Je sais plus laquelle c'est la 40 hours energy. Quelqu'un se souvient de la couleur de la pilule de la 48, de l'énergie 48 heures? Ça pourrait être pas mal quoi. Si j'ai un devil deal, autant qu'il soit méga 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 cool quoi. Le D5 je crois. Le D10. Ou moi j'aime bien l'appeler le Dio. Parce que ça fait référence à Jojo. Et moi j'aime bien Jojo. Salut repère, j'espère que tu vas bien, même si tu devrais faire attention au caps lock vu que les modos vont peut-être te supprimer ton message et tu vas perdre des PV. Ou de l'XP, je sais plus, je me rappelle jamais. Bref, tu vas perdre des trucs quoi. Mais j'ai blast damage, je crois. Ah, vraiment, je m'adore. Ah, je suis un joueur d'exception à Isaac. Au moins, tu me diras, j'ai des cœurs gris. Coucou par ping, j'espère que tu vas bien. Salut The Gamer. Ça va, écoute. Premièrement, pour choper la run. Ouais, mais moi j'aime pas du tout les mains, vas-y, ça attire les ennemis aussi, c'est casse-couille. Oh shit. J'ai pas le choix. Parce que de toute façon, je sais où est la salle du boss et j'ai plus d'autres salles, je crois. Coucou Lady Neko, j'espère que tu vas bien. A plus Candice. Ah merde, non, j'avais encore des salles. Ah, je suis déçu. Ah, mais j'ai un. Bon, on s'en fout, en limite. J'avais encore des salles. Le jeu, c'est The Binding of Isaac Rebirth. Rebirth. Allez, on tente. Big fan, je crois. Bref, le fan, quoi. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. On va le prendre, parce que c'est pas petit nul. Et qu'au moins, j'aurai un fuck objet. Bah, du coup, je vais faire ça. Salut AAAEZ2, j'espère que tu vas bien. Ah, comme si j'avais des clés illimitées quoi. Non, pas du tout. Mais merci The Gamer. Je suis content que ça te plaise, écoute. Si ça te plaît, c'est cool. Si tu passes un bon moment, moi, ça me va. Je me fais pas aider par le jeu là. C'est dommage, j'avais 34 pièces. De pas avoir trouvé la boutique. Ou la salle d'arcade. Ou la salle de trinket. Enfin, ou la machine à trinket.
En fait, ouais, non, j'aurais quand même. Non, je suis con, j'aurais dû reroll. Et acheter la batterie quand même. Du coup, on va tenter de choper le cancer. Ah oui, il n'y a que Naïsa que vous entendrez ça. On va tenter de choper le cancer. C'est pas sourire, il y a moyen que ce soit rigolo, attendez. Oh, il y a moyen que ce soit rigolo. Ouais, non. C'est de la merde. Salut à Mylène, j'espère que tu es bien. Tu joues quel personnage là, c'est Isaac. Hop, hop, hop. Olé. Allez, mec, qu'est-ce qu'il veut. Easy peasy, bro. Bro, bro, bro. Par contre, j'ai pas trop de dégâts. J'ai 3 de dégâts. C'est nul. C'est bon, l'échelle va me servir, mais ça reste limité en soi, quoi. Maman. Et j'ai pris un dégât de merde. Merde, j'ai rushé dessus, quoi. Pas de diable, putain! Tu peux prendre la ruine avec l'échelle, c'est vrai. J'ai combien de zappé? Deux pins, putain. Je me pisse dessus. Ouais, j'ai pris des dégâts de merde. Tu vas mourir, voilà. Remis turbine. Royanis. Putain, je me fais pisser dessus pour les Devil Deer sur cette run. Oh, oh là là, ça va être horrible. Horrible. En plus, je vais devenir invisible, quoi. Onyenko. C'est là, la run elle peut être foutue en l'air parce que j'ai pas eu de chance au niveau des pactes avec le diable, quoi. Seulement je là j'aimerais avoir un peu de chance avec les pactes avec les salles adjacentes. Oh, et bien sûr, de la chance, je demandais. Pas de la malchance. Pas possible ça.
Mec, il me file une sable double chub avec des vers qui me follow, quoi. Merci la chance, quoi. Je aide-moi, s'il te plaît. Tu commences à être assez chiant. Quoi? S'il fait pop ça, lui. Oh là là, le jeu, il m'aime pas ce soir. Abuche Canal, merci d'être passé. Salut Zigzag, j'espère que tu vas bien. Au moins, il m'a lâché un cœur gris. Salle des boss. Qu'espérer que j'ai un objet. C'est bon, je vais prendre le coup. Mais tu peux tenter la salle de défi là. Lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky. Lucky, 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 lucky. Je sais pas pourquoi ce boss, j'adore, je l'adore. Lucky, je trouve trop kawaii. Il est kawaii. Non, là, on connaît pas le son du jeu. Mais putain, mais. J'aime bien parce que je demande dans le chat et puis personne me répond. Alors bon, moi, je pars sur le principe qu'il y a du son. Mais bon, si vous ouvrez pas vos gueules, là, il faut y avoir pas de musique et je vous demande. Vous attendez pas le jeu? Et non, je me prends le vent de ma life. Bonne nuit, Lilou, repose-toi bien. C'est quoi ça? C'est Growth Hormone? Ça fait des dégâts donc. C'est ça. Damage up. C'est ce que je veux. Mais il y avait du son. Apparemment pas! La luck du joueur. Tireur, tu veux mon point dans ta gueule pour avoir dit ça ou pas? Bon. De te calmer de suite sur tes superlatifs. On y est, Muka. On nomme Gotthard dernier niveau, hein. Bisous. C'est pour me rappeler que j'ai une merde. Nostom, il est pas chanceux, mais. Mais please, t'as vu comme le jeu il m'a rien offert depuis tout à l'heure. Il m'a juste offert un D5. Et après, j'ai pas eu beaucoup d'objets, quoi. Vous foutez pas de ma gueule, c'est pas une run de gros chatard là. Please. Ça fait 48 minutes qu'on galère pour rien. Mais tais-toi, c'est con. C'est pas vrai. J'ai pas eu. Oh là là, quoi! J'ai déjà fait des runs! Attendez, mais vous avez vu moi. Vous m'aviez vu jouer! Vous étiez là! Quand j'avais des trucs complètement indécents! Rassurez-moi! À moins que vous en avez rien à foutre! J'ai pas fait la salle de défi. Je vais la faire. J'ai dit, ah, s'il vous plaît, respectez-moi! Un minimum, quand même! Du coup, je suis à 4. Vu que j'ai Growth Hormone. Bon, je suis très rapide. La tique, ça pue la merde. Dommage, j'aurais eu un dernier objet de Guppy, j'aurais hurlé de joie. Et là, j'aurais dit gros chat, oui. Oui, c'est un bon item, Brimstone, mais. Je veux dire. T'as vu le nombre de cœurs que j'ai depuis le début? T'as vu le nombre de Devil Deal que j'ai eu? Je veux dire, c'est. Please, quand même!
Par contre, j'ai 8 clés pour le chest. Hein. La bise. Oh, j'aime pas du tout ces salles. J'aime pas du tout le la main de maman. C'est clairement casse-couille. Donne-moi les clefs. S'il te plaît, vas-y, te fous pas de ma gueule. Je pourrais ouvrir des coffres, des coffres, des coffres, des coffres. Merci. Et plein de coffres. Je veux ouvrir des coffres à plaisir qu'en foutre. Je veux pouvoir rouler sur les objets. Lockdown. C'est une X-Men, j'espère que tu es bien. Non, on fait. Oui, Kaz, c'est vrai. Mais bon, être guppy au chest, c'est dommage. Non, la queue de guppy fait que tu as plus de chances d'avoir des coffres dorés qui pop à la fin de chacune de tes salles. Isaac! Fais-moi un boss au calme, oui. Pas de soucis. Salut Crawler, j'espère que tu vas bien. Salut Nono, le jeu c'est The Binding of Isaac Rebirth, j'espère que tu vas bien. Ah, des yeux laser. J'aime pas ça les yeux laser, c'est chiant. On entend les sons mais pas la musique. Là ça devrait aller mieux, non? Ah, j'avais déjà ma pré-config de fête pour Isaac, je l'ai plus. Parce que tout le temps, j'ai beaucoup joué à d'autres jeux, voilà. J'ai abandonné mon jeu de cœur. Salut, moi, version démon. J'aurais même pu le reroll en fait. Pour tenter d'avoir un objet de Guppy, par exemple, Mongol. Putain, le pire. Ça va. Là ça va, le son du jeu est pas trop fort du coup. J'ai pas méga envie d'aller sur ce genre de truc. Je suis pire sa mère. Je suis le pire. Lucky, 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 lucky. Lucky, 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 lucky. 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 Je tente. C'est bon, il m'a rendu ma clé. Putain, ma jupe là, putain. Give me the damage up, mon frère. Wouah, une abondance! Putain, si jamais j'avais une rune d'abondance, ce serait tellement bon. Genre, paf, 8 clés. Bon, j'aime les clés, ça me permet de plus ouvrir des coffres dans le chest. Des coffres dans le coffre, oui. C'est pas moi qui nommais la zone! Et ça me refait du pognon pour jouer à l'arcade.
On va pouvoir aller jouer aux machines à sous, con. Merde! Pas été très résistante la machine. Ce jeu peut être tout à l'heure dans un gosse. Mais non! Voyons. Bonne nuit, Mino. Repose-toi bien. C'est quoi les petits persons? Ce sont des mendiants. On appelle ça comme ça. Parce que c'est des beggars. C'est des mendiants. En gros, c'est des trucs que tu leur donnes de l'argent. Et en échange, ils peuvent de temps en temps donner un truc bien. De temps en temps est important. Parce que souvent, ça dépend quoi. Par exemple, c'est un mendiant joueur. Parce que tu sais, il me baise. Tu vois, genre. Brrr, 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 tu vois, genre. C'est le truc qui te baise quoi. Comment tu es une chouette? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manqué un épisode? Mais respecte-moi toi là! Salaud! Black Lotus. Trois cœurs. Cette perso c'est une chouette. Il me semble que c'est des cornes de cerf. Mais après je t'avoue que je suis pas spécialiste de la faune animale. Donc je dois... Merde! Mongol. Salut Swag, j'espère que tu vas bien. Mon tante. D5, je peux refaire l'étage. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah, tu me diras, j'ai eu un Black Lotus. C'est un truc bien à refaire quoi, si je le forget me now. Il va mourir son balai de mes couilles là. Merci. Le pire. Bonne nuit Bush, repose-toi bien. Bien sûr, tout téléguidé, bien entendu, des bisous, de l'amour. Le red patch qui fait que plus je prends de dégâts, plus je fais de dégâts. C'est comme Samson. En somme.
Ouais, je charge dans le truc, hein, au cas où. Oui, vas-y, je fonce dans le truc. C'est pas grave, c'est pas... Non, mais c'est pas grave. C'est pas comme si t'étais en train de mourir, connu. Merde. Chut. En vrai, j'ai plus aucune idée de comment je joue ce jeu. Vraiment, je fasse ça. Hein. Abundance. Oh là là. Non. Putain. Ça va, moi ça va. J'ai la tête de bouc qui me permet d'avoir des, à 100% de chance d'avoir des devil deal quand ça ne me sert plus à rien d'en avoir. Alors que là, si j'avais su... Putain de Curse of the Blind de merde. Si j'avais su que c'était ça, j'aurais reroll, j'aurais pu avoir un objet de guppy ou un truc qui m'en met mes stats. Putain, je suis dégoûté. Ça a foutu. D'accord. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Ça a tout foutu en l'air, quoi. Ça me dégoûte! Oh putain, plus chiant comme même encore. Vas-y, allez, gang bang moi, c'est pas grave. Oui, vas-y, j'aime ça! PD! Trois cœurs dans une salle. Main d'honneur. Monstre 2. Je manque de damage. Il est dur comme jeu. C'est pas Bloodborne, mais faut faire attention quand même. Ah, sinon tu te fais gangbang dans un coin comme une grosse merde. Ça me fait chier d'avoir autant de cœurs rouges, putain! Et d'avoir eu la tête de bouc à la fin du jeu. Le truc qui sert à rien, alors j'aurais pu être guppy là. Si j'avais reroll, avec un peu de chance. Même être dead cat, ça me gêne pas, je m'en fous. Sur que la, vu, enfin, vous me direz, vu la merde que je fais être dead cat, je sais pas si ça aurait été le meilleur plan. The Magician. Ok, va te faire foutre. Sinon, avoir piqué une clé. Je t'aime et je t'aimerai. Pas du tout. Je vous disais que je manquais de dégâts, c'était pas pour rire. Oh, il peut. Il a un pattern agressif. Je savais pas. Oh, t'es sérieux?
C'est pas centré ça, quoique, vous me direz. En fait, c'est le jeu qui est pas globalement centré, mais. Bref. Bon, moi je me dis, mon retour sur Binding of Isaac, c'est plutôt cool. J'ai fait une run. Enfin, j'ai pas fini encore, hein. Je vais mourir comme une grosse merde, mais ça va. Voilà. Mais pour l'instant, ça va. C'est plutôt propre. Salut mal bobo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, écoute. Ça va très bien, ça va, émoté. Bon, dernière étape, le coffre. Le coffre. Il y en a un, je sais pas ce qu'il fait. Mom's Week, ça peut être pas mal, mais je peux reroll pour mieux. En fait, à plus tard à ZD2, mais tu sais que je ne relèverai pas sur la YOLO vu que c'est moi qui finis sur la web. Alors, je vais juste vérifier c'est quoi le nœud pape. One elf up. Ouais, le truc de Maggie. Oh, ça limite, ça peut être bien vu que j'ai que des cœurs rouges. Là, le son du jeu doit être fort. Peut-être le baisser un poil. Ouais, quoique même pour moi, c'est fort en fait. HPE, Speeddown et Stompy. Ça ne sert à rien d'être Stompy maintenant, mais. Moi je peux plus avoir sauté dans la rota. Est-ce que ce serait vraiment mal si je randomisais toutes mes stats? Ça va être chiant parce que ça va être full random, mais. Mes stats sont pas tip top pour l'instant. Sinon, c'est peut-être temps que j'arrête de prendre des dégâts de merde. Parce que je vais mourir dans le chest. C'est normalement pas possible en fait. Truc de fou. Juste pas possible de mourir dans le chest quoi, et puis je vais essayer de faire cet exploit quoi. Je vais pas le tuer là. Putain, c'est une mouche qui l'a tué. FDB, ah ouais, j'avais pas vu les trois dernières de mon seed. Il m'a rebondi dessus. Sa mère. C'est lequel? Ouais, bon. Celui qui est là, j'espère que tu es bien. C'est Pyromaniac ou Flaming Tears ça? Ah, attendez. Pyromaniac. Non, c'est pas ça. Fuck!
C'est Pyromania que j'avais de la chance. Parce que je pouvais régène. Sans full HP, même pas. Double monstro. Ils s'accordent bien, c'est ce qu'ils doivent faire en même temps. C'est une version qui ne fait que des invoques. Heureusement pour moi. T'imagines si je mourrais d'un feu? J'avais Isaac. Oh là là, blotte. Oh là là, l'horreur. L'horreur, l'horreur. Voilà, l'horreur. Blotte. Oh là là, je vais mourir. Blood, pire boss de l'histoire si tu peux pas te mettre au-dessus de lui. Et au moins je peux mourir. Faut voir ça comme ça. Vous savez quoi si je prends ça? Non, ça le split pas. At least I can die. That's not that bad. T'as Lust, il court tellement vite. Oui. Poc. J'aurais pas dû prendre Speedball quand j'y pense. J'aurais dû le laisser comme objet à reroll. Encore Loki. Putain, le pauvre. Combien de fois je l'aurais tué sur cette run?
Putain, j'ai tout fait. Une batterie. Pitié. Give me a battery, bro. Give me a battery. A motherfucking battery. Nope. Splash damage plus tears up. Dommage, ça marche pas sur ça. Oh, oh là là, ça va être tellement long. J'ai tellement pas de dégâts. Où sont les Devil Deal? Avec leurs propositions pleines de sang. Shit. Et de chars aussi, comme les femmes. Victoire pour Isaac. Juste pour le kiff, je vais reroll. Tu es où là? Là on est au chest, c'est-à-dire le dernier truc. On va voir ça donne quoi. Ah ça change pas. Et ça, ça change quelque chose? Non. Bon ben voilà. Putain, la run aura duré 1h15. Mais putain. Victoire pour Isaac. Bon, 5 minutes de pub, à tout de suite.